Ok, candidate 772 pour le rôle d'Ygritte. Ah, alors pardon, mais je pense que le prénom c'est Ingrid. Parce que Ygritte, ça existe pas en fait. Ok, tu parles anglais couramment? Of course. Tu sais faire du tir à l'arc? Of course. Donc, je te décris le personnage d'Ygritte. Ingrid. Ygritte. Hagrid. Ygritte, c'est une sauvageonne. Bon, quand on la découvre, elle et ses copains se font attaquer par le groupe de Corinne Halfhand. Le mec s'appelle Corinne? Ok, donc tout le monde a des prénoms chelous. Et là, elle va se faire capturer et passer sa nuit avec Jon Snow. Hey! Qui veut la tuer. Ah. Donc, tu connais ton texte? Ouais. Ok, vas-y. You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Nothing, Jon Snow. Jon Snow. Snow. C'est définitif le choix du tir à l'arc? Parce que par exemple en bowling, je suis pas dégueu. Ou alors on a qu'à dire qu'elle chasse pas. Voilà, elle est contre la chasse, c'est une musicienne, Ingrid. Ingrid. You know nothing, Jon Snow. Non? Non. Donc là t'arrives... En dragon, j'arrive en dragon. Non, c'est pas du tout le même personnage. Ah, oh, c'est dommage, comment je kifferais d'avoir un dragon. Non, au pire ce qu'elle pourrait avoir éventuellement c'est un cheval. Donc t'arrives... À cheval? Non, non, à pied. Ça fait 4 jours que vous marchez dans la neige. Ah non, mais c'est hyper long! Non, non, on va prendre un cheval. Non, non, c'est parce que... Bon, donc, elle arrive à cheval, si tu veux. Attends, c'est un cheval, ça? Ouais. Non, t'es en train de faire du dragon, là. Elle a pas de dragon. Non, mais elle pourrait avoir un cheval volant. Mais non! Elle sait se battre, tirer à l'arc, allumer un feu, marcher pendant des jours dans la neige et elle s'habille en peau de bête. Y'a pas plus terrien que cette meuf. Ah, d'ailleurs, à propos de la tenue... Oh putain... Non mais je critique pas le choix des costumiers, hein. Je me dis juste que quand il fait un peu moins froid, elle pourrait porter une fine doudoune. Ou une petite parka. Et est-ce que pour être un peu plus tendance, elle pourrait porter des Stan Smith ou un truc comme ça? En pleine forêt? Attends, moi j'ai déjà fait de la rando dans le Mont Ventoux en basket, on était très bien, hein. Non, ils sont dans le Nord, donc elle est équipée. Ouais, alors attends, moi je suis née à Dunkerque, donc le Nord je connais bien. En basket, on tient largement. Mais là on parle pas de Dunkerque, on parle du Nord au-delà du mur dans Game of Thrones. Et Winter is Coming, tu te rappelles? Donc elle est en moon boots et en peau de bête. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est possible de passer le casting de la meuf qui a des dragons avec un décolleté? Non, mais elle est censée avoir 16 ans dans la saison 1, donc ça va pas. Ah bon, et tu sais l'âge que j'ai? Oui. Ok. Allez, on reprend. Elle est à pied, elle marche avec Jon Snow. Oui, j'ai compris, ça fait 2 jours que je marche, je suis dégueulasse alors que je suis à côté d'un futur mec potentiel. Voilà, ton texte. Tu sais où tu vas là au moins, Jean-Neige? C'est pas ça le texte. Ouais bah excuse-moi, y a pas un panneau, y a pas un café en bord de route, on a le droit de se demander s'ils sont pas paumés. Le texte. You know nothing, Jon Snow, tiens. Pourquoi il sait rien lui, il est con comme une bite ou quoi? Puis c'est quoi le principe de cette balade là? Leur objectif à un moment c'est de passer de l'autre côté du mur. Pourquoi faire? Pour échapper aux marcheurs blancs. Qui ça? Eux. Et ça dure 8 saisons. Pardon? Donc y en a pour 7-8 ans. Ah non mais c'est beaucoup trop long pour se cailler les miches là. Ouais, c'est possible que tu meurs avant. Non, alors la question c'est, est-ce que c'est possible que je me tape Jon Snow? Ah je suis désolé, je peux rien te dire. Ah ouais non mais là, ce sera sans moi les gars. Ah c'est dommage, on n'est pas à l'abri d'un succès mondial pour la série. Ça peut faire décoller ta carrière. Mais non, mais les gens ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux, franchement c'est fini. Puis qui veut mater une série avec des mecs pareils? Excuse-moi mais, salut hein. Ok, candidate suivante pour le rôle de Daenerys, celle qui a des dragons. Ah, mieux! Bonjour! Et qui a 16 ans. Au revoir! Hey, n'hésite pas à t'abonner et puis retrouve-moi aussi sur mon compte Instagram.